coucou tout le monde. Alors comment allez-vous en ce mardi matin? Donc aujourd'hui retour de course comme tous les mardis. Et je suis passée que à Aldi. Devinez pourquoi. Zen, zen. Bon ben, je suis allée déposer les jumeaux à l'école. Ensuite je prends la direction de chez Aldi, j'arrive à la rond-point et là je me rends compte que le porte-monnaie est resté à la maison. Demi-tour maison, ensuite re-Aldi. Donc on va commencer que le retour de course que de chez Aldi. Allez, c'est parti. Alors pour mon petit bout, j'ai pris du jus d'orange. En fait, cela c'est pas du pur, hein, c'est du nectar. Mais ça passe mieux que le pur jus là. En ce moment, il veut pas trop du pur jus. Papier toilette, comme d'hab. Un chouette, un chouette. Rejus. Alors celui-là, c'est multifruits. Alors dedans, vous avez pomme, clémentine, banane. Et c'est tout. Des olives, des petites olives vertes qui sont dénoyautées. Je vais te mettre là en attendant. Je sais pas, mais j'ai jamais fait attention avant, mais j'ai trouvé des tomates concassées au basilic. Avant, je prenais toujours des tomates concassées, mais je savais pas qu'il existait au basilic. Donc ça, c'est première nouvelle. J'ai trouvé de la ratatouille. Ça aussi, j'avais jamais vu. Donc, bah, à tester. J'ai trouvé de la macédoine pour faire une salade de pommes de terre. Et pour finir, dans les boîtes de conserve, j'ai repris du thon comme ceci. Il y a combien là-dedans? 200 grammes. Non, 150 grammes, 155 grammes quand c'est égoutté. Et 200 grammes quand c'est pas égoutté. Des biscuits, j'ai repris. Ça fait longtemps que j'en avais pas pris. Goût chocolat, de l'huile parce que j'en ai plus, d'habitude j'en ai toujours en rade dans le garde-manger, mais là plus du tout, plus du tout. Des macaronis pour remplir ma petite boîte en haut, de la semoule parce que j'ai tout utilisé la dernière fois. Des penne rigate pour remplir encore une fois ma petite boîte. Ketchup. Ketchup, ketchup, ketchup. Ça, mon petit bout, ils en raffolent. Et je crois que celui qui est là, il est vide. Il est vide de chez vide. Je crois qu'il est déjà dans la boîte de tri. Je ne vois pas. Enfin bref. Tous mes sachets finis. Pour ma puce, j'ai repris du lait. En plus, en ce moment, on boit tous du lait. Je sais pas, on a une envie de lait. Pâte d'eau. Attention. Maintenant, on va passer aux légumes. Alors, mon mari a une folle envie de clémentine. Donc, clémentine, ça, je ne mets pas au frigo. Poire pour faire des poires au four. Des bananes. Mon petit garçon a envie de bananes. Et mes métiers ont envie de pommes. Donc je lui ai pris une pomme. On va la diviser en deux pour ce midi. On va voir si elle va manger. La petite pub pour cette semaine. Promo. Tomates cerises bio, 79 centimes le paquet de 250 grammes. J'en ai pris deux, ça va être pour demain midi. J'ai pris un chou pour faire de la salade pour cette semaine. Je regrette de ne pas avoir pris la semaine dernière. C'était pas cher, je crois que c'était 99 centimes. Là, ils ont remis le prix normal. Pas de retour de course sans tomates non plus. Ensuite, on va passer aux petites cochonneries. J'ai pris pour le goûter des petits bouts des chaussons aux pommes. C'était en promo aussi, c'était 90 centimes, il me semble. Cochonneries pour monsieur et mes enfants, donc des Lay's nature. Je vous avais dit, hein, avec l'application Yuka.
ça passe niveau bon. Hein. On va pouvoir mettre là toutes les cochonneries, tiens. Des croustilles au fromage. Des croustilles goût cacahuète. Pourquoi j'ai des croustilles? C'est marqué croustilles. Des maïs frits. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est 79 centimes. De la mie de pain pour notre plateau repas de demain. Celui-là, c'est aussi de la mie de pain sans croûte, mais complet. Pour monsieur, c'est pas le cookie. Des petits beurres pour les enfants. De la crème dessert, celui-là c'est goût caramel. Des compotes de pommes. J'en ai encore. Je suis dégoûtée, je pensais qu'il n'y en avait plus. Bon ben je vais faire manger ça au petit bout à midi. Des madeleines. Du fromage frais aromatisé. Pour les petits bouts. Du fromage, ça, mes enfants, ils mangent ça. Alors, ils mangent ça comme un repas, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent deux fromages et c'est bon. Donc, c'est un repas. J'ai pris un café pour moi pour ce matin. Voilà, un petit café pour ce matin. Des biscuits. Alors, ceux-là, ce sont les palais bretons. J'adore ça. En plus, c'est pas trop cher à venir. J'ai pris de la viande hachée qui n'était pas prévue pour cette semaine, mais j'ai pris parce qu'il y a eu 30% dessus. Dès qu'il y a 30%, je prends toujours. Je congèle et puis c'est bon. J'ai pris des lardons allumettes pour cette semaine. On doit faire des lentilles. Pour notre plateau repas, comme on en fait deux cette semaine, il me semble. On en fait un demain et on en fait un mardi prochain, il me semble. Donc j'ai pris du jambon. Donc j'ai pris deux paquets, hein, comme on ça va être sur deux jours. Du jambon. De la dinde et du chorizo. Voilà, c'est largement suffisant. Donc voilà pour le retour de course de cette semaine. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous avez toujours le menu. C'est un menu super simple, hein. C'est un menu, je fais avec ce qu'on a au frigo. Je ne vais pas élaborer comment on appelle ça, des plats. Donc voilà, ce petit retour de course est enfin fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces bleus. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, moi, ça me ferait super plaisir. Donc, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et on se retrouve mardi prochain pour un autre retour de course. À mardi prochain pour le retour de course.